nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, nous allons parler de quoi? Mais de quoi? Nous allons parler de ceci, du coca ou encore de ceci. Vous les connaissez, hein? Vous connaissez cette... Nous allons parler de ceci dans cette nouvelle vidéo. Comment l'utiliser pour vos petites affaires? Ou plutôt, qu'est-ce que ça vous fait dans le corps lorsque vous l'utilisez? Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, si jamais vous êtes nouveau, si jamais vous êtes nouvelle, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez et commentez. Et aussi, suivez-moi sur les réseaux sociaux, sur ma nouvelle chaîne YouTube, Rosemary Kamasutra. Pour ceux qui ne croient pas ce que je vais dire ici, faites bouillir du coca et voici simplement les résultats. C'est stupéfiant, pour ne pas dire mortel. Dans mes précédentes vidéos, nous avons énormément parlé de boissons gazeuses, à l'occurrence du coca. Les dégâts que ça pouvait faire dans le corps, des conséquences que ça avait sur vous, à cause des produits chimiques et toxiques contenus à l'intérieur, tels que l'excès de sucre, l'excès d'aspartame, l'excès de colorants, de sodium et beaucoup de gaz. De ce fait, ça facilitait l'obésité et bien sûr d'autres catastrophes dans le corps. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer pourquoi, au lieu d'avoir un ventre comme Kim Kardashian, votre ventre ressemble à celui d'une femme presque à terme, à 9 mois de grossesse. Si vous êtes adepte du coca, des boissons gazeuses, sucrées ou sans sucre, elles sont horriblement néfastes pour vous, occasionnent la rétention d'eau dans le corps, rend addict et fragilise le système digestif. Et c'est pareil pour le système intestinal et bien sûr votre santé en général. Mais bon, comme toujours, tout est question de volonté. Vous pouvez décider de tout arrêter si vous avez marre de ce gros ventre, des pets qui vont avec, de toujours devoir porter des vêtements trop amples parce que vous avez honte de votre ventre. Alors essayez ceci pendant 10 jours d'affilée. Ce mélange va non seulement nettoyer le corps de l'excès de sucre, ça va nettoyer vos veines en prévention des artères bouchées, ça va aider à lutter contre les contre la constipation, contre le ballonnement, contre le ventre bruyant, des trucs comme ça. Non, ça va lutter contre ça. Ça va aussi lutter contre les douleurs intestinales. Bref, ça va vous affiner en un clic. Et surtout, ceci est un puissant coupe-faim naturel. En parallèle, comme je dis toujours, rajoutez un petit peu d'activité sportive, par exemple de la marche, de la danse, ça ne vous fera que du bien. Pour cela, vous avez besoin de deux pamplemousses matures, donc à peau très épaisse, et prenez ça bio. Lavez et enlevez la peau, mais surtout gardez bien la partie blanche d'ailleurs, c'est ce qui nous intéresse dans cette vidéo. Prenez 4 citrons jaunes ou 4 citrons verts. Ensuite, rajoutez 50 g de gingembre, de la citronnelle, soit en sachet ou même de la citronnelle fraîche. Ça dépend de ce que vous avez. Découpez le tout et mettez à bouillir, comme vous pouvez me voir faire. Donc, pressez, appuyez bien comme ça pour vous assurer que tous les éléments sont bien mélangés. Le matin, buvez un verre à jeun. Laissez passer au moins une heure avant de manger pour que ça travaille. Ça va vous nettoyer le ventre et vous allez fondre. Vous allez perdre toute la graisse. Ceci est absolument à essayer. Faites ceci au moins pendant 10 jours. Vous pouvez pousser jusqu'à 3 mois. Donc voilà. Pour ceux qui ne supportent pas le goût parce que c'est un petit peu amer, un petit peu bizarre, vous pouvez rajouter un tout petit peu de miel, même si je ne vous le conseille définitivement pas. D'accord? Donc prenez bien comme ça un verre le matin, un verre midi, un verre le soir. Pour ceux qui veulent perdre plus vite, sinon vous pouvez tout simplement prendre un verre à jeun le matin et un verre le soir. Donc voilà. Je vous assure, c'est tout simplement incroyable. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Partagez ceci pour que ça touche un maximum de personnes. Bisous, bisous.